ke hamu melekan leber tava piruz es khodavijun bextete es tebame. You don't know me? Dui ye qanji u kharabi edvini. Apply for asylum? De es jnavi sheri beslameti der khastume reya haqi nishani mun bude. Are you praying? You can forget the sun in Belgium. Tu be kurdi dizani? Tu ASD? Herre. Zordan mejbu ko embeben musliman. Seki il? Daesh. Ne terse. Levra, kes ne kare khrabiya betabake. Madame est suspectée d'avoir agressé un homme dénommé Tufik Redouane. Il s'avère qu'il s'agit du frère d'un jeune empereur des Ferdédiens, un Syrien certain Mohamed Redouane. Elle est en demande de protection. On doit prendre en compte son état de santé. Wazi bezani la wakian kachike. Bavi visa ronke Mohamed Redouane via avia ni serimun. Ta khoza man ewe ku vegere bey chikaye. Wey roji ezi levra le benda wibe mwazi haifa khohelinu. Chirokate ya mehemuye. Tukane visi, herkes fambake. Pose ta tête. Là. Respire. Whatever the future will be, I want to see it. Now. Em nekaren negori ke fakhwe jazai bedin khalke. Ki e wan bine bira khwe? Ki e hemu yendin bine bira khwe? Regardez-moi. Vous êtes ici maintenant. Lena daika men unaji khushkamen. Men fatlak. Khlini ntlab menk smah. باش نرتاح عمرون نلقاو السلامة ريمن افزاروك تزيك خدا هش لمن او ندا خوست اف بابك دليلك Créer ces personnages qui avec tout le drame, le trauma qu'elle portait, de trouver comment trouver cette justesse, comment elle pouvait transmettre cette émotion qu'elle portait. Donc, c'est très bien comment vous l'avez reçu, parce que nous, on a fait tout pour justement qu'on ne le sente pas seulement comme une victime, mais qu'elle a une mission. Voilà. En fait, c'est une croyante. Elle fait partie de la communauté yézidi, c'est pour ça qu'elle a eu, elle a subi tous ces traumas, et donc elle pense qu'elle a été choisie. Donc elle a une croyance, et donc elle avait même, elle commence, elle n'est même pas dans le deuil encore. Elle est dans le rage, en colère, et elle veut se faire entendre à tout prix. D'où oui, effectivement, d'où le titre. Donc, comme elle vient ici en Europe pour chercher à se faire entendre, elle observe, elle essaie de voir, elle est en colère, en rage. Et puis, avec tout ce qui l'entoure, toutes ces formidables personnes qu'elle accueille, la solidarité qui fait qu'en fait, le rage et le colère se transforment en autre chose. Et donc, là, c'était très important pour moi de dire qu'en fait, comment on peut s'en sortir. C'est que d'abord, il faut la reconnaître, lui donner la justice et éventuellement la solidarité. Qu'est-ce qui vous a amené, même si vous êtes touché par vos origines, à vouloir montrer en fiction ce film qui nous parle du massacre et de... Je crois que c'est une... En tant que cinéaste, quand on raconte les histoires qui nous touchent, qu'on connaît. En tout cas, moi, j'ai pas eu d'autres... Je sais pas si je peux dire ça, j'ai pas eu d'autres luxe en fait.